Bonjour. Abby l'abeille veut protéger l'environnement et la nature. Elle se demande d'ailleurs souvent si la loi nous y oblige. Alors elle a fait quelques recherches, et elle a vite trouvé la réponse à sa question. Il existe bien un texte très important en France qui protège la nature, la biodiversité et le climat. C'est la Charte de l'environnement. Elle est rédigée entre 2002 et 2004, par une commission composée de grands scientifiques et de juristes. Présidée par le paléontologue Yves Coppens, à la demande du président de la République de l'époque, Jacques Chirac. Avant sa rédaction, les experts ont demandé l'avis des citoyens, en organisant de grandes réunions publiques dans les régions. Chacun pouvait venir exprimer ses inquiétudes et dire ce qui lui paraissait important à protéger. La charte est ensuite rédigée par les scientifiques et les juristes, puis présentée au président de la République et votée par les députés et les sénateurs qui sont les représentants du peuple. En 2005, le président Chirac décide de la faire entrer dans le texte le plus important de toutes nos lois, la Constitution. C'est elle qui protège nos droits et nos libertés. En effet, elle est constituée de quatre textes, dont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui protège nos droits politiques, un préambule datant de 1946 qui protège nos droits sociaux, et la Charte de l'environnement qui maintenant protège nos droits collectifs. Alors que contient cette Charte de l'environnement? Eh bien, elle est très courte et très efficace. Elle contient 10 articles chargés de protéger la nature et la biodiversité. Ainsi, l'article 1er proclame que nous avons tous le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Ensuite, les articles 2 à 4 s'adressent à nous, les citoyens. Ils précisent que nous avons le devoir de protéger l'environnement et de mettre tout en œuvre pour empêcher la pollution et réparer les dommages causés à la nature. Enfin, les articles 5 à 10 s'adressent aux autorités. Elles ont l'obligation de promouvoir le développement durable, informer les citoyens sur des dangers éventuels, éduquer la jeunesse à l'environnement et aider la recherche et l'innovation pour assurer la protection de la planète. À la lecture de cette charte, Abby est désormais rassurée. Nous avons toutes les clés en main pour protéger notre chère planète, son climat, sa nature et sa biodiversité.